Bien, nous allons commencer notre culte ce 20 août. Nous ne sommes pas toutes encore là. Certains sont partis, toujours. Et Jean-Claude n'est pas avec nous. Et les Bassons non plus. Nous sommes contents que vous avez pu connecter avec nous si vous êtes là par la page Facebook. Et donc, je propose de commencer le culte en chantant le numéro 24. Cantique numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Le numéro 24. Oh, mon âme exalte et chante du Seigneur le bon divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière et qu'emporte au loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Vous, ses œuvres, vous, ses anges, et toi, peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent le salut. Gloire, 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 ô Dieu fort, l'honneur est dû. Courbons-nous dans la prière. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes d'être réunis, réunis pour te louer, chanter à toi qui es ce Dieu vivant, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses et qui mène toutes choses dans ton dessein éternel. Tu es ce Dieu qui a dit le mot et les choses est arrivées. Tout ce que nous trouvons dans ce monde et nous-mêmes, tout est fait de ta main. Tu es ce Dieu de sagesse infinie, ce Dieu de justice, ce Dieu qui est pur et saint, ce Dieu aussi
de grâce qui s'est révélée à son créature qui est rebelle, une créature qui a désobéi tes commandements, dans ta révélation. Mais tu as ce moyen de connaître, de te connaître, d'être réconcilié avec toi en tant que ce Dieu qui est saint et qui ne supporte pas le péché devant ta face. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre pour vivre, pour obéir à tous tes commandements. Et par sa vie, son œuvre sur la croix, qu'il a donné sa vie pour effacer nos péchés devant toi. Il est ce substitut à notre place où le salaire du péché, c'est la mort. Il a tout pris sur lui, son sang innocent, pour nous racheter et que nos péchés sont effacés devant toi. C'est ce que nous ne méritons pas et c'est ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Et donc nous venons à toi en Jésus-Christ. Et il n'a seulement pas juste donné sa vie pour nos péchés, il est ressuscité. Et en vainquant la mort, qui donne cette vie éternelle, et que en Christ, nous sommes déjà quelque sorte entrés dans la gloire, même ici-bas déjà, étant habités par ton Esprit Saint qui est venu lorsque Christ est ascendu au trône, ton esprit qui est descendu pour sur son tout ton peuple, tes élus, et que chaque jour ton œuvre en Christ vient habiter les cœurs que tu as connus d'avance pour les sauver de la colère à venir, car sans cette étant couvert par ce sacrifice de Christ, c'est ton Fils, ta colère est versée sur nous. Ô notre Dieu, c'est notre prière que tu ouvres les oreilles, qui puissent entendre ta parole et cette bonne nouvelle en Jésus-Christ, l'Évangile, qui se trouve dans ta parole, toi-même qui le révélais. Et notre Dieu, nous sommes faibles, nous demandons ton aide, car c'est en prêchant la parole et en prêchant l'évangile de salut en Jésus-Christ seul que ton esprit puisse œuvrer avec puissance. Donc nous demandons ça pour ton serviteur qui va apporter la parole tout à l'heure et pour tous tes serviteurs qui se dressent aujourd'hui dans les assemblées pour prêcher ta parole. Donne la liberté de parler de Christ, que là où ta parole est ouverte et lue et expliquée, que tu donnes Christ la prééminence pour que l'âme qui ne te connaisse pas soit touchée à salut. Notre Dieu, nous prions pour Jean-Claude. Donne-lui la puissance pour ouvrir ta parole et de prêcher ta parole avec liberté.
là où il se trouve, à Madagascar, ce matin. C'est notre prière aussi pour nos serviteurs que nous connaissons qui vont faire la même chose partout sur cette terre, qui ont peut-être déjà fait, et que tu bénis l'annonce de ta parole. Et nous demandons ces choses en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste. Donc, l'Ecclésiaste, c'était écrit par le fils de David, Salomon, le roi, après David. Et les penseurs, les grands penseurs grecs sont attribués la philosophie, n'est-ce pas? Philo, ça veut dire amour en grec, et sophie, la sagesse. Donc c'est littéralement l'amour de la sagesse, n'est-ce pas? Et on pense à Socrate, Aristote, et je ne vais pas essayer de prononcer d'autres en français, je ne vais pas arriver. Mais en fait, ici, dans la parole de Dieu, bien avant, nous avons vraiment une philosophie, amour, cette enquête de la sagesse. Et ici, c'est pas juste la spéculation de la sagesse humaine et la recherche de la moralité, la justice, ainsi de suite. Ici, les auteurs, ils ont cette révélation de Dieu créateur et ils commencent au commencement avec celui qui a créé la sagesse, celui qui est la sagesse et la justice parfaite. Donc ici, nous avons un côté plus pratique de la vie et la sagesse même. Alors, lisons juste l'introduction. Les premiers 11 versets de ce livre. Dans chapitre 1, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer. Et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Et nous arrêtons la parole de Dieu là. Et chaque fois que je lis ces mots, je suis étonné. Et je ne devrais pas être. Peut-être que l'auteur dit ces choses en écrivant
bien des siècles avant, quand il parle des choses ont existé déjà des siècles avant lui. Et c'est une vérité. Il dit, Dieu est le même, mais aussi l'homme dans son péché est le même. Alors, la question générale, principale dans tout ce livre, c'est l'auteur, il cherche la réponse, y a-t-il un sens au temps que je passe dans ce monde? Est-ce que ma vie a un sens? Nous sommes nés sous le soleil, donc sur les tombeaux, nous voyons toujours une date à la naissance et une date à la mort. Et il y a un petit tiret au milieu qui définit la vie de la personne, n'est-ce pas, sous le soleil. Alors, si nous pensons que nous sommes là par accident, par hasard, par des collisions, des mutations de matière et tout, effectivement, et de retourner à cette poussière, il ne peut y avoir vraiment un but ultime. Mais lorsque nous cessons de regarder sous le soleil, et pour le croyant, nous cherchons notre destin sous le ciel, si je peux dire. Alors en anglais, on a un mot spécifique, heaven, qui différencie le ciel de l'atmosphère. Mais c'est ça où je parle, cet endroit céleste, cet endroit où se trouve Dieu, cet endroit d'être dans la présence de Dieu. Si nous regardons, au lieu de dire sous le soleil, mais de voir notre vie sous le ciel, nous trouvons notre but. Parce qu'il y a une origine spirituelle, si nous commençons par Dieu qui nous a formés et qui a soufflé sa vie en nous. Notre destin n'est pas de retourner à la poussière, mais de continuer, de donner honneur et gloire et louange à Dieu pour toujours, éternellement. Et donc, voilà, si nous commençons par Dieu et notre destin est dans la gloire, face à Dieu. Voilà notre but. Donc la réponse, c'est oui. L'auteur dit de cette question, un oui retentissant, qu'il dit à la fin de ce livre, crains Dieu. Et chaque jour de ta vie, et si nous pouvons vivre comme cela, c'est dit dans un autre livre, dans le Proverbe, chapitre 9. Le craint de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors vivons, pas sous le soleil, mais sous le soleil, si je peux dire. Et nous allons continuer notre louange en chantant le numéro 47 dans notre livre des Cantiques. Le 47. Le titre simplement Merci Seigneur. Et nous avons plusieurs strophes ici. Merci Seigneur pour ta parole. Merci par elle tu m'instruis. Merci car elle est ma boussole. Elle me conduit. Alors chantons. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés. Merci, car si l'amour t'altère, tu me pardonnes.
Merci Seigneur pour toute gloire, merci pour les divers travaux. Merci car quand soudain je pleure, tu prends mes pardons. Merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole, merci par elle tu m'instruis. Merci car elle est ma boussole, elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci Seigneur pour ta puissance, merci de nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire des versets dans l'épître, la deuxième épître à Timothée. Quelques versets dans ce premier chapitre de Timothée. Donc, cette deuxième lettre, c'est adressé à Timothée. Vous vous rappelez, il a rencontré et puis a pris Timothée avec lui, l'apôtre Paul. On voit ça dans le chapitre 16 des Actes. Et le premier épître à Timothée nous donne beaucoup plus d'informations sur lui. Nous savons que l'apôtre Paul lui-même a posé les mains sur lui et donné l'autorité de conduire l'assemblée à l'église d'Éphèse. Et ici, dans ce deuxième épître, nous voyons que l'apôtre Paul s'approche à sa mort. Il est en prison à Rome et nous voyons dans ce lettre une chose. Il a écrit à Timothée, non seulement à lui, mais pour cette lettre d'être lue à l'église d'Éphèse, et puis c'est pour l'église, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Il dit à Timothée une chose, viens me voir. Il voulait qu'il vienne à Rome pour le voir. Nous voyons ça dans le dernier chapitre de cette lettre. Et beaucoup avaient abandonné l'apôtre Paul. Il voit bientôt son exécution. Mais ici, dans le premier chapitre, nous voyons l'apôtre Paul, même face à la mort, il a cette perspective de vie sous le ciel qu'il mentionne et qu'il explique à son frère Timothée. Donc lisons à partir de verset 6, chapitre 1 de Timothée. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi
pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusque ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et avant que nous écoutons le message, chantons un dernier cantique, le numéro 318. Qui commence par je ne sais pas, je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette, mon péché. Le refrain, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. J'entends ce cantique. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui ne prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son
ton amour. Et gardé par sa meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Comme c'est encore la période des vacances, on ne va pas reprendre Matthieu. On reprendra dans quelques semaines. Donc, et ce matin, nous allons commencer l'étude du psaume 103. Nous allons lire le psaume en entier, mais nous allons nous focaliser sur les cinq premiers versets. Mais lisons le psaume 103. Voici la parole de Dieu, Saint Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et jusque-là, la parole de Dieu. Dans la vie, on peut rencontrer, vous avez peut-être déjà rencontré des personnes qui se disent être déçues de Dieu. La vie ne s'est pas déroulée comme ces personnes le rêvaient. Ces personnes ont peut-être connu un divorce dans la famille malgré qu'elles aient prié. Elles ont peut-être connu des soucis graves dans leur santé. Ou peut-être n'ont jamais véritablement connu la joie dans le Seigneur. Et ces personnes ont l'impression que Dieu ne se préoccupe pas de leur situation. Et au lieu de louer Dieu, ces personnes vont douter de Dieu et parfois même aller jusqu'à le rejeter. Mais ce genre de situation vient parce que on veut faire confiance à Dieu pour des choses qu'il n'a pas promises. Dieu n'a jamais promis de nous garder de la douleur ou de la souffrance dans ce monde. Et puis d'autre part, il faut aussi dire que ceux à qui Dieu accorde ce qu'il demande oublient souvent de le louer et de le remercier. Alors que
Quelles que soient nos circonstances, nous devrions avoir notre âme a besoin d'aide pour se rappeler de louer Dieu. Et David reconnaît qu'il y a des signes d'ingratitude qui sont présents dans son âme. Le psaume commence et se termine avec David qui s'exhorte lui-même à louer le Seigneur. Le psaume commence et se termine avec cette parole: Mon âme bénit l'Éternel. Et entre ces deux exhortations qu'on trouve au verset 1 et au verset 22, David donne des raisons pour lesquelles son cœur devrait apporter cette louange à Dieu. On dit parfois que, on a besoin d'une foi qui vient du cœur, et David serait sûrement d'accord avec cela. Il veut que la louange vienne de son âme, de sa personne intérieure. Il ne suffit pas de louer le Seigneur simplement avec ses pieds en venant au lieu de culte un dimanche matin. Il ne suffit pas non plus de louer le Seigneur avec sa bouche en chantant les cantiques. Non, David sait que Dieu rejette l'adoration qui est seulement extérieure quand le cœur est loin du Seigneur. En Ésaïe 29, par exemple, versets 13 et 14, le Seigneur parle par la bouche d'Ésaïe en disant, le Seigneur dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Mais malgré cela, beaucoup de gens disent que ce qui gêne la foi qui vient d'un cœur, du cœur, c'est une religion de tête. Mais David rejetterait, pardon, cette déclaration. Il y a effectivement des gens dont la foi est un intellectualisme mort, qui n'a pas de vie, mais qui n'est pas du tout la vraie foi. Mais ce psaume montre combien le cœur dépend de l'esprit. La lumière qui vient éclairer l'esprit instruit, l'esprit plein de foi de David, vient réchauffer son cœur, qui serait autrement froid et réticent. Dans ce psaume, David résonne avec son cœur. Il prêche un sermon à lui-même. Il se prêche un sermon, et comme nous, on pourrait le faire nous aussi. Il va présenter des vérités qui, selon lui, vont faire monter son cœur dans une louange fervente à Dieu. Il est difficile de surestimer l'importance d'avoir un cœur qui loue le Seigneur. Et David savait que sa propre vie spirituelle est renforcée par une attitude de louange envers Dieu. Il savait que c'était la dureté de cœur qui avait amené Israël à trahir le Seigneur. Mais avec cela en esprit, David implore, comme nous devrions le faire: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ce psaume 103 se divise en trois sections dans laquelle David cherche à obtenir la louange de Dieu, de son cœur. Dans les premiers versets que nous allons voir ce matin, les versets 1 à 5, David parle de la gratitude envers Dieu pour ses bénédictions. Dans les versets 6 à 14, il parle de l'amour envers Dieu en réponse à son amour pour nous. Et dans les versets 15 à 22, il termine avec la crainte pour la grandeur et la gloire de Dieu. Et donc ce matin, focalisons-nous sur les versets 1 à 5. Le message est divisé en deux grands points. Le premier point est le plus long. Et j'ai simplement intitulé N'oubliez aucun de ses bienfaits. N'oubliez aucun de ses bienfaits. David éveille son cœur à la gratitude en lui rappelant tout ce que Dieu a fait pour lui. Verset 2, Mon âme
Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si la question est comment savoir, comment louer le Seigneur, la première réponse de David est que la louange se produit lorsque le cœur se souvient avec gratitude des bénédictions de Dieu dans notre salut. La vraie gratitude est une des motivations les plus puissantes. C'est l'action de grâce qui nous fait vivre dans la louange de Dieu. Et par conséquent, les paroles du verset 2 doivent être fréquemment placées dans le cœur de chaque croyant. N'oublie aucun de ses bienfaits. Notre problème, c'est que nous oublions trop souvent. Le seul croyant qui a une véritable appréciation de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ est heureux et aspire à glorifier le Seigneur. Et dans ce but, David va évoquer un catalogue de bienfaits pour lesquels il est reconnaissant. Il compte les bénédictions qu'il a reçues de la part de Dieu dans ce qu'on pourrait appeler une chaîne de la grâce de Dieu. Il est significatif que le premier bienfait à retenir soit le pardon des péchés. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il y a tant de choses pour lesquelles on pourrait louer Dieu. Il y a le fait de posséder, d'habiter dans une maison, d'avoir un emploi, de posséder certaines choses, louer Dieu pour la santé qu'il nous accorde jour après jour. Mais rien de tout cela ne peut se comparer au pardon de nos péchés. Comme le Seigneur le dit en Luc chapitre 9, que serait le monde entier si nous perdons notre âme? Si le psaume se terminait au verset 3, on aurait amplement raison de louer le Seigneur pour toute l'éternité, parce on ne peut être pardonné que parce que Dieu a donné son Fils pour être puni à la croix pour nous. Et c'est amplement suffisant pour louer le Seigneur pour l'éternité entière. La primauté du pardon des péchés signifie ce que seuls ceux qui se souviennent de leurs péchés loueront véritablement le Seigneur avec des actions de grâce, avec reconnaissance. Ce n'est que lorsque nous nous rendons compte de l'ampleur de notre culpabilité, de la grande offense que nous avons causée contre la sainte justice de Dieu par notre péché, que la grâce de Dieu nous semble si merveilleuse, si extraordinaire, et nous pousse à louer Dieu pour cette grâce qu'il nous a manifestée envers nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous devrions constamment confesser nos péchés à Dieu, régulièrement reconnaître que par nature nous sommes mauvais. Cela nous conduira à une plus grande gratitude et un plus grand émerveillement de la grâce et de la bonté et du pardon de Dieu. Si nous tombons dans ce piège d'être déçus de Dieu, c'est que nous avons certainement oublié ce que nous méritons vraiment de sa part, à savoir la condamnation, la colère éternelle. Mais quand nous souvenons que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ à un si grand prix pour lui-même, à savoir le sacrifice de son propre Fils pour nous, alors il est invraisemblable pour nous de parler de déception de Dieu. On ne veut pas être déçu de Dieu. Mais aussi grand que soit le pardon de nos péchés, ce n'est que le début de cette chaîne, le début des bienfaits, des bénédictions que Dieu accorde à ses
à ses enfants. David continue en décrivant encore plus de bienfaits qu'on peut anticiper avec joie, avec lesquels on devient de plus en plus familier. Avec le pardon, David associe, verset 3, la guérison. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mais puisque David s'adresse à son âme, on devrait considérer cela principalement comme une guérison spirituelle. Le péché provoque non seulement une culpabilité qui doit être pardonnée, mais aussi une corruption intérieure qui doit être sanctifiée. Il y a beaucoup de miracles que le Seigneur Jésus a accomplis qui impliquaient, pardon, la purification et la guérison. Et on pense en particulier quand le Seigneur Jésus a guéri les lépreux de leur impureté. C'est une image de ce que le croyant vit dans le salut. Il y a un nettoyage puissant de nos pensées, de nos attitudes, de nos désirs. Et c'est une guérison que le Seigneur opère dans nos cœurs. La lumière vient chasser les ténèbres. Et à la fin, nous savons que toute maladie physique et spirituelle seront enlevées. Toutes les maladies, celles du corps et celles de l'âme, seront guéries. On peut bien sûr s'écrier avec David, mon âme bénit l'Éternel. Et à cela, David ajoute un troisième avantage, à savoir la délivrance de la puissance du péché. Verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il y a plusieurs exemples, on pourrait citer un grand nombre d'exemples, mais je citerai l'exemple ici de la délivrance dans la vie de John Newton. On peut lire sa vie dans ce livre Affranchi, aux éditions Europresse. Et John Newton, pendant de nombreuses années, était impliqué dans la traite des esclaves. C'était un marchand d'esclaves assez brutal. Et lors d'un voyage de retour vers l'Angleterre, son navire a été pris dans une tempête assez sévère. Newton était terrifié. Il était dans l'obscurité de la cale du navire pendant plusieurs jours, à pomper l'eau, à essayer de faire sortir l'eau du navire. Et dans ce lieu sombre, John Newton s'est souvenu des versets bibliques que sa mère lui avait enseignés quand il était petit. Et il a crié à Dieu pour le salut. Et le Seigneur l'a non seulement délivré du péril de la tempête, mais il l'a aussi délivré de la fosse noire de sa vie de péché. Et la gratitude de Newton envers Dieu transparaît dans ce cantique merveilleux, cantique en anglais qui commence avec ces paroles Amazing Grace, qu'on pourrait traduire grâce incroyable, quelle douce musique, grâce qui a sauvé un misérable comme moi. Autrefois j'étais perdu, maintenant je suis retrouvé, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Le pardon parle de la libération de la culpabilité du péché. La guérison parle de la purification de la puissance corruptrice du péché. La rédemption parle de la délivrance de la misère dans laquelle le péché nous a jetés. Alors pour certains, la délivrance est une délivrance de l'esclavage d'une dépendance ou d'un style de vie de péché. Pour d'autres, Dieu nous a mis en sécurité en nous délivrant de la violence, de la persécution. Ou alors, nous avons connu des esclavages plus subtils, comme celui de la colère, de la cupidité, de la convoitise. Et Dieu nous a rachetés de ces fosses. Mais en fin de compte, David fait référence à la fosse de la mort. C'est un ennemi que nous affronterons tous. Mais Dieu rachètera nos vies de la tombe et nous unira à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse.
Mais la rédemption s'accompagne d'une bénédiction correspondante. La deuxième partie du verset 4, il te couronne de bonté et de miséricorde. On ne pense pas très souvent à être couronné. Mais l'idée ici, c'est d'accorder la dignité et l'honneur. Bien mieux que l'or qui couronne les rois terrestres, nous avons l'amour et la miséricorde que Dieu nous donne. Ce sont des bijoux qui sont beaucoup plus brillants que les diamants ou les émeraudes sur les couronnes de ce monde. Et David rassemble ces bénédictions pour montrer que bien que le péché nous ait traînés dans la fosse, le salut nous élève aux honneurs les plus hauts en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers de Dieu. Le Seigneur Jésus a représenté ce couronnement dans la parabole du fils prodigue. Vous vous rappelez, le plus jeune fils a méprisé son père, est allé gaspiller son argent et s'est trouvé dans la plus grande des misères. Il a coulé aussi bas qu'il devait partager la nourriture des cochons pour lesquels qu'il devait nourrir. Cette image vivante et terrible de la vie de péché et comment tout cela se termine. Et le fils est venu à la raison et il décide de rentrer chez lui. Et reconnaissant qu'il avait rejeté sa filiation, le fils désirait simplement retourner chez son père en tant que serviteur. Mais dans le retour du fils prodigue, le Seigneur nous présente une description incomparable de la grâce de Dieu, de la grâce rédemptrice, de la grâce suprême de notre Père céleste. Luc 15, verset 22 et suivant. Le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La meilleure robe signifie notre justice imputée en Christ. L'anneau est un symbole d'honneur et d'autorité, comme Joseph l'a reçu quand il était adjoint de Pharaon. Les chaussures parlent de la filiation dans un monde où les esclaves marchaient pieds nus. Et comme le fils prodigue, nous aussi avons souffert de la misère à cause du péché. Nous avons mérité le rejet. Mais quand par la grâce de Dieu, il nous appelle à lui, il nous couronne d'un amour, d'une miséricorde, d'une grâce inébranlable. Mon âme bénit l'Éternel. Et le verset 5 vient compléter le catalogue de David des bienfaits du salut. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le terme qui est traduit « rassasier » veut dire « satisfaire ». La satisfaction est un mot qu'on entend rarement aujourd'hui. Les Rolling Stones ont exprimé le sentiment de notre époque quand ils chantent « Je ne peux obtenir aucune satisfaction ». On est un peuple tellement rassasié de plaisir, mais on est tellement insatisfait. On a tout ce que l'on veut. On a très peu de ce dont on a vraiment besoin. Dieu n'offre pas la satiété, il offre la satisfaction. Il nous rassasie de bien. On se rappelle que David s'adresse ici à son âme. C'est l'âme que Dieu satisfait, comme lui seul peut le faire. Dans le psaume 37, verset 4, le psalmiste dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si on marche avec Dieu dans la foi, il satisfera notre âme. Le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine, en Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme a répondu, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Dieu donne la vie éternelle. Il vient satisfaire l'âme de tous ceux qui se repentent de leurs péchés, qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Mais cette bénédiction ne veut pas dire que les chrétiens ne connaîtront jamais des difficultés. Ils ne connaîtront jamais la maladie, la pauvreté ou la douleur, ou que tous nos désirs mondains seront instantanément satisfaits. Le Seigneur Jésus dit en Luc 9, par exemple, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Mais il dit aussi en Luc 18, verset 29 et suivant, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alors oui, mon âme bénit l'Éternel. Et enfin, la deuxième partie du verset 5, David dit que Dieu nous fera rajeunir comme l'aigle. Et ça rejoint un peu ce que l'apôtre dit en 2 Corinthiens 4, verset 16, « Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 Corinthiens 4, verset 16, « L'aigle est un symbole de force et de vigueur, et Dieu donne ses vertus de soutien à l'âme qui met sa confiance en lui. » Cette promesse s'accomplit surtout dans la vie au-delà de la mort. Un commentateur raconte l'histoire d'un prédicateur au XIXe siècle qui était mourant au milieu d'une grande douleur. Et il a rendu ce témoignage. Il dit, « Je sais que mon bonheur n'a que commencé. Cela durera éternellement. Il semble que mon âme ait trouvé une paire d'ailes neuves et qu'elle soit si impatiente de les essayer. » Le prophète Ésaïe, en Ésaïe 40, verset 31, dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et avec cette espérance, David complète sa chaîne de bienfaits pour lesquels son âme doit louer le Seigneur. Se souvenir des bienfaits de Dieu est la première façon d'apprendre à louer le Seigneur. Et ce principe est illustré par quelque chose qui s'est produit peu après la fin de la guerre de sécession. Quelqu'un a vu un homme en habit de fermier qui s'était agenouillé devant une pierre tombale dans le cimetière des soldats à Nashville. Et cette personne est venue demander à ce fermier, « Est-ce que c'est là la tombe de votre fils ?» Et l'agriculteur a répondu, « Non, j'ai 7 enfants, tous jeunes, et une femme dans ma pauvre ferme de l'Illinois. J'étais enrôlé, malgré les grandes difficultés que cela causerait, j'ai dû me joindre à l'armée. Mais le matin où je devais partir, cet homme, le fils aîné de mon voisin, est venu et m'a offert de prendre ma place dans la guerre. » Et la personne demande au fermier, « Mais qu'est-ce que vous écrivez sur sa tombe ?» L'agriculteur répond, « J'écris, il est mort pour moi. » Et si c'est ainsi qu'un homme ressent naturellement pour le fils de son prochain qui est mort à sa place, et tenant son nom précieux tous les jours de sa vie, combien plus notre gratitude devrait-elle inciter nos cœurs à louer le Seigneur. Le Fils de Dieu est descendu du ciel. Il a pris notre chair. Il a vécu, il a travaillé pour nous. Il est entré dans la bataille du péché. Il n'a jamais commis de péché lui-même. Il est mort à la place de son peuple, à notre place. Il a souffert la colère de Dieu, afin que nous ne souffrions pas cette colère, afin que nous puissions être pardonnés. Et non seulement cela, il est ressuscité pour nous couronner
de toutes les bénédictions du ciel, pour nous donner un avenir de gloire, une place, lorsque toutes choses seront renouvelées. Si nous croyons ces choses, nous pouvons certainement dire avec le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai dit qu'il y avait une deuxième partie, un peu plus courte quand même, que j'ai intitulée Une vie reconnaissante qui plaît à Dieu. En répondant à l'appel de David, mon âme bénit l'Éternel, j'ai traduit la bénédiction comme une louange. Et c'est sa signification principale dans ce contexte. Mais il y a une autre idée qui est impliquée dans ce mot bénir, et c'est faire plaisir à celui que nous voulons bénir, à celui que nous voulons louer. C'est bien sûr que cette idée est liée à la louange. David veut que son âme loue le Seigneur, mais il veut aussi que son âme plaise au Seigneur. Les deux vont ensemble, nécessairement. Si nous voulons vraiment louer le Seigneur, cela ne se produira pas simplement en venant au lieu de culte le dimanche matin, en chantant, en restant assis pendant une heure ou deux, mais c'est aussi en vivant d'une manière qui est inspirée par la grâce de Dieu. Une vie qui est offerte pour plaire à Dieu. La gratitude pour les bénédictions de Dieu fait non seulement que nos cœurs louent le Seigneur, mais elle nous motive aussi à plaire au Seigneur dans notre manière de vivre. Et la question est de savoir comment exercer l'influence nécessaire sur nos cœurs, sur nos désirs, nos passions, nos affections pour plaire au Seigneur. Et une réponse importante est donnée ici, dans cette première partie du psaume 103. C'est en faisant face à la réalité de notre culpabilité devant Dieu, en percevant dans la foi le grand don de la grâce de Dieu, et en lui répondant avec gratitude qui veut bénir le Seigneur. La culpabilité, la grâce et la gratitude marquent le progrès du cœur qui veut bénir et qui veut plaire au Seigneur. Dans la prière modèle que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples, il a souligné qu'après avoir été pardonné de nos péchés, nous faisons de notre mieux pour le suivre, pour plaire au Seigneur, en pardonnant aux autres leurs péchés contre nous. Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » L'une des réponses les plus importantes à la grâce de Dieu dans nos vies, c'est donc d'étendre cette même grâce aux autres en pardonnant leurs péchés. Ce qui n'est pas toujours facile. Vous connaissez peut-être l'histoire de Corrie ten Boom, qui a connu une protection étonnante, les soins de Dieu pendant des années dans un camp de concentration nazi. Par de terribles souffrances, elle a appris à bénir le Seigneur, comme David le fait dans ce psaume, dans une intervention remarquable que Corrie ten Boom attribue à Dieu. Elle a été délivrée de sa prison peu de temps avant son exécution certaine par une erreur administrative. Après la guerre, Corrie ten Boom a admis avoir lutté contre la colère et l'amertume. Elle a écrit une lettre diffamatoire à l'homme qui avait donné des informations concernant sa famille aux nazis, et ce qui a conduit des tourments, à la mort des membres de sa famille. Elle a dénoncé cet homme pour trahison. Mais elle a aussi trouvé la grâce de lui dire comment Dieu l'a aidé et comment Dieu pouvait le sauver en amenant la repentance à la foi en Christ. Elle a conclu sa lettre en écrivant que Dieu l'aidait à lui pardonner et elle prierait pour le salut
de son âme. Quelques jours après, cet homme a été exécuté pour ses crimes par les autorités néerlandaises. Mais dans les années qui ont suivi la guerre, Corrie ten Boom a commencé à voyager pour raconter son histoire, pour raconter la fidélité de Dieu. Et elle a souligné l'amour de Dieu, sa grâce pour sauver des pécheurs qui n'ont aucune espérance. Elle a fondé une maison pour des personnes qui avaient souffert pendant la guerre. Elle a fondé un camp pour des anciens prisonniers, pour des réfugiés. Et en raison de ses expériences remarquables, de son message puissant, elle a commencé à écrire des livres et par conséquent, elle est devenue très demandée comme conférencière. Toutes ces actions étaient une manière appropriée de bénir le Seigneur, de louer le Seigneur. Mais il y avait un moment déterminant qui attendait Corrie ten Boom. Après une occasion où elle a pu parler de la grâce et de la fidélité de Dieu. Et dans son livre qui a été traduit dans le titre français, La cachette, quand l'amour est plus fort que la haine, voici ce qu'elle raconte. Elle dit, c'est pendant un service à Munich que je le vis, l'ancien SS qui gardait l'entrée de la douche quand nous sommes arrivés à Ravensbrück. C'était le premier de nos geôliers que je revoyais. Et tout d'un coup, tout m'est revenu. La pièce remplie d'hommes moqueurs, les tas de vêtements, le visage livide de souffrance de Betsy, sa sœur. Il vint me voir alors que l'église se vidait, rayonnant et soumis. Comme je vous suis reconnaissant pour votre message, Fräulein, mademoiselle, de penser que, comme vous le dites, il m'a lavé de mes péchés. Sa main étendue vers la mienne. Et moi qui avais si souvent prêché aux pensionnaires de Blumenthal le besoin de pardonner, je gardais mon bras le long du corps. Pendant que la colère et les désirs de vengeance m'envahissent, je vois le péché qu'il recèle. Jésus-Christ est mort pour cet homme. Allais-je demander plus? Seigneur Jésus, je prie, pardonne-moi, aide-moi à lui pardonner. J'essaye de sourire, je veux lever la main, je ne peux pas. Je ne ressens rien, pas la moindre étincelle de chaleur ou d'amour. Alors je prie de nouveau, silencieusement. Jésus, je n'arrive pas à lui pardonner. Donne-moi ton pardon pour lui. Au moment où je prends sa main, la chose la plus incroyable arrive. De mon épaule, puis le long de mon bras et jusqu'à ma main, un courant semble passer de moi à lui, en même temps qu'un amour qui me bouleverse presque, jaillit pour cet étranger. C'est comme cela que j'ai découvert que la guérison ne vient pas plus de notre pardon qu'elle ne vient de notre bonté, mais du pardon et de la bonté de Dieu. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il envoie en plus de son ordre l'amour lui-même. Et voilà l'ancien gardien, l'ancienne prisonnière, l'ancien bourreau et l'ancienne victime qui se tiennent la main. Comment peut-on expliquer cela? Corrie ten Boom l'explique plus tard en citant les mots de sa sœur qu'elle a prononcés sur son lit de mort. Il n'y a pas de fosse si profonde qui dépasse la profondeur de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de fosse si profonde qui dépasse la profondeur de l'amour de Dieu. David écrit, Mon âme bénit l'Éternel, comme un homme qui a été dans la fosse la plus profonde. Il dit, Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et cet appel ne s'adresse pas seulement aux chrétiens célèbres ou aux chrétiens spéciaux. Il s'adresse à nous tous. Corrie ten Boom s'est souvenue de tout ce que Dieu avait fait pour elle. Cela a changé son cœur. Et comme elle, nous pouvons regarder ce catalogue de bénédictions que David fait ici dans ce psaume 103. Nous pouvons être reconnaissants pour ce que Dieu a fait et pour ce qu'il fait pour nous. Il guérit nos âmes, il nous rachète des fosses dans lesquelles notre péché et les péchés des autres nous ont conduits. Il nous couronne de miséricorde et d'amour, il satisfait nos âmes de délices spirituels, il promet une éternité dans la gloire, une jeunesse renouvelée comme celle de l'aigle. Mais surtout, il a pardonné
nos péchés à un prix très élevé pour lui-même, la mort de son propre fils. Nous devons nous souvenir de ces choses. Nous devons méditer sur ces versets. Prier que Dieu remplisse nos cœurs de gratitude et de louange. Et si nous faisons cela, il y aura sûrement une différence dans nos vies. Nous désirerons certainement bénir le Seigneur qui nous a bénis ainsi en Christ. Et cela changera la façon dont nous pensons, dont nous parlons, dont nous agissons. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Je vous invite à tourner dans le livre des Cantiques au numéro 239 pour chanter ce cantique qui commence par Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés de 239. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À tout un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis en moi. Longtemps j'ai loin de sa patte, provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis en moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis en moi. Et nous allons terminer notre culte avec les derniers versets de ce que nous avons lu dans le deuxième épître de Timothée. Parce qu'il dit de garder le bon dépôt. C'est les mêmes mots qu'il utilise à la fin de sa première lettre
adressé à Timothée. Si vous regardez la page en face, verset 20, ô Timothée, garde le dépôt. Et qu'est-ce que c'est ce dépôt qu'il parle? Eh bien, l'apôtre Paul n'avait pas grand-chose à la fin de sa vie. Il avait peut-être sa robe, il avait une plume, peut-être de l'encre, des parchemins, il avait des textes, des écritures, et rien de plus. Mais il dit à Timothée, garde le bon dépôt. Alors, c'est ces saintes paroles, paroles de Dieu qu'il a reçues de Dieu. Et il lui dit à Timothée de les garder et de les passer à d'autres, à la prochaine génération, que cet évangile puisse continuer à être annoncé. C'est un grand dépôt, n'est-ce pas? C'est un trésor immense, le plus grand trésor que nous pouvons recevoir et de garder. Donc, verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Que nos âmes bénies l'Éternel. Que nos cœurs bénis l'Éternel, que nous souvenons de tous ses bienfaits, jour après jour, que nous vivons sous le ciel.